aujourd'hui pour un petit compte-rendu des achats d'une magnifique bourse vente-échange de cartes Pokémon. C'était le premier événement de ce type auquel j'assistais avec notamment ma petite chérie, on était ensemble. On avait même pris un stand pour voir un petit peu si on pouvait réaliser de beaux échanges ou éventuellement vendre des cartes pour pouvoir s'en racheter d'autres parce que c'est un budget maintenant. Et on avait aussi avec nous Flux TV, donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. On était aussi avec l'ami Aikos qui était venu faire un petit coucou. Et d'ailleurs, je remercie aussi les abonnés qui se sont déplacés. Certains connaissaient la chaîne, donc ça fait plaisir. Hein. Ça permet de discuter aussi un petit peu avec vous. Je vous ai repris après ces belles images donc, de cet événement. Vous avez vu, il y avait pas mal de choses, vraiment de très très belles cartes, de beaux items pour la collection de cartes Pokémon, pour ceux qui la font vraiment à fond. Je suis beaucoup concentré sur le set Wizard Edition 1. Je suis d'ailleurs presque sur le point de le terminer. Il me manque plus grand chose, notamment grâce à cette bourse vente-échange. Il ne me manque plus que un Elector et un Tainion Edition 1. Il reste plus grand chose. Vraiment, je suis très content. Et après, je me concentrerai du coup sur le set Jungle et Fossil en Edition 1 toujours. Voilà, c'est pas évident parce que je fais pas les choses les plus faciles. Les bonnes opportunités deviendront rares sur Pokémon parce que les gens vont s'y intéresser de plus en plus. Ou peut-être pas, hein, peut-être l'effet complètement inverse. Peut-être dans 2 mois, plus personne n'en parle. Sait-on jamais. Et je voulais remercier aussi le magasin Onirik d'avoir organisé cet événement qui était vraiment au top du top. À la base, c'est pas leur métier d'organiser des événements comme ça. Mais je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés. Et franchement, ça sera en plus à refaire. Il y a déjà une idée de date qui est en cours. Ça sera top également pour la seconde édition. Je vous en dirai plus, bien entendu, dès que j'en saurai plus. On va commencer cette vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Je commence avec Victini. Celui-ci qui a été attrapé. Je veux dire attraper comme c'est les Pokémon. Envie de grenier. Dans un classeur, non même pas, c'est dans des boîtes en métallique. On a fait défiler pas mal de cartes et celui-ci m'a tapé dans l'œil pour ce côté un peu joli. La carte est vraiment très belle. Donc celle-là, je l'ai acheté pour la somme de 5€. Envie de grenier. Et c'est à peu près le seul achat que j'avais fait. Mon collègue Flux TV, qui a sa chaîne, je vous la mettrai en description, qui a passé tout le week-end avec nous, a acheté ce Celebi pour la somme de 10€. Et moi, je lui ai échangé contre un Scolossandre PCA 9, version promotionnelle. Donc je préfère vraiment avoir celle-ci à la place. Pharamp, édition 1, que j'ai échangé. Alors elle est holo, mais on le devine presque pas. Hein. Elle est discrète comme holo, c'est une très belle carte. Alors on va commencer gentiment la série des Néo, tranquillement, puisque ce commence à se terminer grâce notamment à l'achat d'un très beau classeur, vous allez le voir par la suite, à la série 7 de base. Pour la somme de 20€, ça c'est dans des sleeves qui sont matifiés, donc on voit pas bien la brillance de ces cartes. On avait le Tortank VMAX, qui n'est pas en trop mauvais état, hein, qui est plutôt propre. Mastouf V. Vous remarquerez que les cartes sont toujours un peu coloris. J'aime bien tout ce qui est coloré. Franchement, ils ont fait des très belles cartes. C'est bien plus joli. Donc ça, je l'ai acheté pour 20€, ce lot de 3 cartes. Et le Mustard, ça c'était le premier achat dans la bourse. Un autre achat à 50€, c'est que des cartes qui me plaisent. J'ai pas forcément pris en fonction de ce qui me manque ou quoi, c'est surtout au visuel. Le Tocorico V, elle est très jolie. Encore une fois, vous regardez, c'est à peu près le même esprit que les autres cartes que je vous ai montrées déjà. On a le Corium de Galar V. Alors ça, franchement, c'est des Pokémon, je les connais même pas. Mais la carte, l'illustration est très jolie. Dragofeu GX de la série destinée au culte. Donc celle-là, peut-être elle va aller dans un classeur parce que je n'ai pas... Enfin, pour les autres, j'ai pas encore fait les classeurs de ces séries-là. Mais pour le destiné au culte, il est commencé. Un Ronflex version promotionnelle du coffret Ronflex. Comme j'avais pas ce coffret, je peux déjà avoir la carte. Et elle reprend donc la série, je pense, Evolution. Un Florizarre VMAX, promotionnel, très très beau. Et 2 petites bricoles du McDo qui me permettent de faire le full set complet McDo. Voilà, grâce à ces 2 cartes holo, j'ai toutes les cartes McDonald's qui sont sorties récemment pour le 25e anniversaire. Je pense que c'était quand même bien d'avoir cette série complète pour cela. Et alors, vous me direz, est-ce que c'est tout? Non. Grâce à la roue de la fortune, un petit jeu installé gratuitement où il fallait demander un petit ticket et c'était gratuit, on pouvait tirer la roue de la fortune et j'ai eu une petite carte sympathique, une carte promo, et bien de Blancoton. Voilà. Et je vais vous montrer la suite, elle est assez dingue.
En fait, il y a quelqu'un qui est venu à mon stand. Pareil, enfin, mon stand. Oui, parce que, alors... Ouais, alors, pour ceux qui se poseraient la question, effectivement, j'avais mis un stand pour vendre des cartes, pour faire des échanges de cartes. Donc, d'ailleurs, c'était bien que j'ai pu faire ça, puisque du coup, je pense pas que j'aurais eu tout ce que j'ai pu avoir en cartes là, si j'avais pas fait ça. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de me séparer de doublons qui ne me servaient pas plus que ça. Donc Flux TV, eh bien il m'a trouvé des trucs super sympas. Le coffret Légende Brillante, le TB, qui était à 55 euros je crois, ou 50, je ne sais plus exactement. Vers chez lui, il a eu carrément des restocks du coffret Dracofeu GX. Il a pu m'en récupérer un. Ces coffrets sont dingues. Je trouve que c'est très très joli. Et le coffret Légende Brillante avec un tas de magnifiques cartes déjà offertes de base. Le Lugia Brillant, Pikachu qui est magnifique, cette carte est sublime. Un OOGX en Rainbow, elle est super jolie. Et le Celebi Brillant. Et encore une autre carte OO en Jumbo. Ce coffret est assez dingue. C'est collection Pouvoir Premium. Et ils ont eu un restock dans certains magasins Auchan, ça n'a pas duré longtemps forcément, mais il a pu m'en récupérer, donc GG à lui, merci beaucoup. Et allez découvrir sa chaîne, il fait pas mal d'ouvertures de cartes, il a aussi une collection. Franchement, je le remercie énormément d'avoir pu me récupérer ses coffrets. Donc, comme je vous ai dit, c'était une bourse d'échange-vente. Pas mal de gens se baladaient avec leurs petits classeurs, leurs petits trucs, essayant de dénicher chacun des cartes qui leur manquent, des cartes qui les intéressent. Et je trouve que l'ambiance était... au top du top, parce que ça a été assez fou. Il y a une personne en fait qui pareil a fait des échanges et aussi vraiment m'a fait un prix de dingue pour la totalité des cartes que je vais vous montrer. C'est des cartes qui me parlent moins, ça c'est sûr, mais je pense que c'est des cartes qu'on s'arrache la tête à essayer de trouver dans des boosters. Et là j'ai eu l'opportunité d'en avoir un paquet pour vraiment un prix incroyable. Il m'a expliqué qu'il ne voulait plus du coup refaire les séries récentes et se concentrer en fait du bloc Wizard jusqu'à, il me semble que c'est XY Evolution de mémoire. Donc j'ai payé la somme de 230 euros pour l'intégralité de ces cartes. Comment dire, c'est assez fou. Voilà. On a le très très beau Reptincelle ici, un Simularbre. C'est que des shiny en fait, donc c'est des cartes qu'on trouvait principalement dans la série Destinée Radieuse. Le Voltorb ici. J'essaie de vous les montrer au maximum. Après, moi, je suis pas du tout au fait des cotes à la carte. C'est pas évident de tout connaître par cœur. C'est compliqué même. Il y en a tellement. Mais si vous voulez, pour la quantité de cartes, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, mais ça vaut le coup parce que ça revenait à peu près à je sais plus, je crois que c'est 2 euros la carte. Donc, à ce niveau-là, franchement, je vais juste à regarder. Des shiny, déjà, ça évite de racheter des boosters pour en retrouver, parce qu'il n'y a, pas tout à fait une shiny par booster. C'est, je ne sais plus à combien est le taux de drop, mais il est pas, il est quand même pas mal hein, pour Destinée Radieuse. On va passer sur ce tas ici. On a un Dracofeu GX, Mandrillon GX, et toutes les cartes sont des vraies, bien entendu. Hein. Persian d'Aloa, Plumeline GX, Dryul GX, Fenard d'Aloa, Moscuto GX, Mantali GX, Lugarok GX, Ptera GX, Cryptero GX, Bruivern GX, voilà, si je dis GX à chaque fois ça va être chiant, Zeroïde, Marchado, Latios, elle est très jolie celle-là, elle est toute en couleur, Libéjon ou Libégon, Dimoré, Jirachi, Staros GX, ça me parle un peu plus déjà, Scarabrut, Raichu, Onyx et Gros Doudou. Là, on passe sur quelques escouades qui sont juste magnifiques. Sulfura Elector Artigodin. Très très belle brillance. On revient avec les mêmes, avec une autre type d'illustration. Ça brille aussi. Tortank et Tiplouf. Pareil, elle est très très colorée bleue, celle-là, forcément. Un petit Brindibou et Noix de Coco. Ramolos Psychoquack. Mandrillon et Engloutiran. Karchakrok et Giratina. Florizarre et Villepierre, mais la carte est belle, hein. C'est juste le sleeve qui est un peu froissé. Et Megalopin, oh là là, j'arrive pas à dire le nom. Et Rondoudou. Un Mont Couronné, j'ai trouvé cette carte très jolie. Tout en gold, comme ça, c'est magnifique. Trois très beaux dresseurs. Pyrrhus, Exil de Giovanni et Jesse et James. Celle-là est super stylée comme illustration. Celle-là, elle est pas mal aussi. Et les plus belles cartes sont ici.
Zeroid en full art shiny. Regardez-moi cette beauté. Tête tellement belle. Amphinobi. Un Tokopisco. Ça, c'est une. Bah, ça doit être une gold, hein, tout simplement. Et toute dorée. Même les sleeves sont super sympas. Branette. Il fait bizarre sur la photo. Il prend la pose bizarre, celui-là, de Pokémon. Lugarok GX. Pareil, superbe illustration. Sarmouraï. Lucario GX. Très très beau reflet en tout cas. Karatrok en GX aussi. C'est en secret surtout. Regardez-moi cette brillance, ce reflet. On voit tout à l'intérieur, on voit les petites empreintes et tout, c'est magnifique. On retrouve l'autre de tout à l'heure, la Articodin, les petits oiseaux légendaires directement. Et magnifique aussi. Encore une secrète de Destinée Occulte. Et pour terminer, le Mewtwo GX. Et ça, Flux TV, il en avait un et il l'a donné à PCA, donc il va voir à combien il ressort. Et voilà, Mewtwo GX, quoi, c'est un truc de fou. Un lot assez fou, incroyable, 230€ pour toutes ces cartes, c'est top, vraiment top d'avoir pu mettre la main sur un lot pareil. Voilà, j'ai refait un calcul rapide, on est à 67 cartes. Donc je vous ai dit une petite bêtise, c'est pas autour des 2€ la carte, c'est plutôt 3,43€, mais 3,43€... Encore une fois, bah c'est donné. Voilà pour ce magnifique lot. On va passer au classeur Wizard maintenant. C'est parti. Alors, on a été récupérer le petit classeur de la collection principale. Celle que je suis en train de compléter. Et c'est vrai que bah, je comptais trouver des cartes qui me manquaient. Mais je pensais pas en trouver autant en fait. Il me manquait, si vous suivez un petit peu les autres vidéos, le Vénard ici. Et bien écoutez, il se trouve que je l'ai trouvé. Je l'ai eu vraiment à un très bon prix celui-ci. 10€. Voilà, bon, la carte est ce qu'elle est, hein, bien entendu. Déjà, pour avoir la carte en elle-même, c'est top. Ça fera peut-être l'objet d'un upgrade plus tard. Mais moi, vous savez que je suis pas un foufou de l'état. Et moi, ça me va très bien. On va d'ailleurs lui mettre un sleeve comme pour les autres. Comme ça, il n'y a pas de différence. Je suis très content pour 10€ d'avoir su mettre la main dessus. C'était pas un exposant, c'est des gens qui passaient avec leur classeur. Et qui proposaient ou du rachat ou de l'échange. Donc voilà, regardez. Hop, édition 1. Le Vénard, on voit le Pokémon, donc franchement déjà moi ça me va nickel. Et grâce donc aussi à un superbe classeur qui a été ramené aussi par quelqu'un sur presque la fin de journée, on va dire. Et ben là on a trouvé franchement les cartes que j'aurais pas espéré pouvoir mettre dans mon classeur, tout simplement parce que c'était pas évident. Bon là grâce forcément à des états un peu moins bons, du coup on peut arriver à mettre la main sur des belles choses. Donc on a le Mélofée également qui rentre dans la collection. En édition 1. C'est vraiment le set Wizard que j'essaye de compléter au maximum. Donc je continuerai sur cette lancée là. Donc le Dracaufeu, édition 1. Avec, certes, un état, il est passé, hein. Il n'est pas 9-9, mais c'est un état, moi, qui est juste top pour le classeur. C'est vraiment génialissime. Il va me manquer plus que Elector et Tignon, ou Taignon, comme vous voulez. Là, c'est Taignon, il est en bas, on le voit pas. Il y a une case vide juste ici. Et Elector, il est de l'autre côté, là. Voilà. Et, alors, encore une fois, bonne surprise. Il y avait un éleveur de Pokémon. Et ça, c'était la seule carte dresseur qui me manquait. En édition 1, je l'ai trouvé deux fois sur cette brocante. Enfin, sur cette brocante. Je l'ai trouvé deux fois sur cette bourse. La première fois, j'étais tout content de le trouver. Il n'était pas en très bon état. À 15€, je l'ai acheté. Et dans ce fameux classeur de fin de journée, eh ben, on retombe dessus en état parfait. Enfin, parfait. Ce ne sera pas du parfait, parce qu'il y a des petits jetards ici. Mais vraiment, regardez-moi ça. Ça sera mieux que celui que j'avais trouvé. Après ça, je les réserve pour un ami. C'était, voilà, il n'y avait pas beaucoup de brillants dans ce classeur-là. Hein. C'est vrai que je vais vous en parler vite fait aussi. J'ai fait quelques échanges et j'ai quand même rajouté la somme de 550€ en plus. Hein, parce qu'il y avait notamment ce Dracaufeu. Mais après le reste, voilà, on a vu quelques cartes ici en édition 1. Mais vous avez aussi remarqué pas mal de cartes en édition 2. Peu de brillantes, tout de même. Hein. Vraiment, c'est, il y avait, à tout casser, il y avait 7 brillantes. Voilà. Le Alakazam, je pense le filer à un ami, collectionneur aussi.
Et à Flux TV, je vous mettrai sa chaîne dans la description, je vais lui donner le Hipporoi et le Scarabrut. Et après, je sais pas si vous voulez voir pour un upgrade de son Mewtwo, qui lui, bon, il est un peu abîmé en bas. Et il y a peut-être un Hypnomade. Peut-être pourquoi pas un bel échange, parce que celle-là est un peu en meilleur état du coup. Donc voilà. Voilà pour ces cartes-là, j'avais déjà ces cartes-là, j'ai fait un petit upgrade au niveau du Hipporoi et au niveau du Scarabrut aussi. Parce qu'elles étaient un peu en meilleur état, celles que j'avais dans ce classeur. C'est un classeur qui contenait 273 cartes. Voilà, je suis très content d'avoir récupéré ce classeur. Merci à la personne qui a fait des échanges. Je lui souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle collection de cartes qu'il entreprend sur notamment des séries récentes comme Destinée Radieuse, qui est une très très bonne série également. Ça, c'était vraiment... vraiment pour moi, hein, parce que franchement, il y a des gens qui cherchent vraiment des cartes bien spécifiques et qui n'ont rien à voir avec le Wizard. Mais personnellement, moi, c'est vraiment ce que je cherchais le plus. Et c'est vrai que tous les stands ne proposaient pas spécialement du Wizard. C'était plus les cartes que vous avez vues déjà dans le début de la vidéo. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir ce que contenait ce magnifique classeur que j'ai pu racheter, eh bien écoutez, je vous mets un petit accéléré de toutes les cartes qu'il contenait, en plus du Dracaufeu édition 1, du Mélofée édition 1, ainsi que le dresseur éleveur de Pokémon. Donc voilà, ça c'est les cartes que j'ai pu récupérer pour ma collection. Et aussi pas mal de Neo Genesis que j'ai pu récupérer également pour ma collection. Cet album en était pas mal fourni. Donc je vous laisse avec les images, je ne fais pas de voix off là-dessus. Je vous laisse simplement la découverte de tout classeur, de toutes ces cartes qui ont été d'ailleurs très très difficiles à sortir par moment, parce que c'était dans un classeur spécial photo. C'est pas évident à sortir la dernière carte qui est logée tout au fond. Et vraiment pas conçu pour, il y a même certains moments j'ai dû casser ou abîmer le truc de photo pour faire sortir ma carte sans abîmer cette fois-ci la carte. Donc je préférais éventuellement sacrifier l'album que la carte, c'est bien logique. Voilà, en tout cas je vous laisse avec cette découverte du classeur acheté à cet événement. Et bien entendu, dès que j'en saurai plus, s'il y a la deuxième date pour renouveler cet événement, et bien écoutez, je vous informerai sur les réseaux. A bientôt.
Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne si les cartes Pokémon vous intéressent, les délires sur Fortnite également. Et peut-être aussi de temps en temps quelques vides-greniers avec encore ou du jeu vidéo ou des cartes Pokémon.